Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du projet Amiens dans Minecraft. On est sur l'épisode 38. Ouais. Et c'est un peu désert dans le coin. On a un petit bout des ortillonnages là-bas qu'on commence à voir. On est juste au sud de la ligne de chemin de fer Amiens-Paris, Amiens-Longo en fait. Et on est dans le quartier Saint-Acheul. Donc aujourd'hui, on va se construire des maisons amiennoises. C'est la maison du papy de Z. Alors du papy et de la mamie de Z. On est rue Miromont, parce qu'ils ont habité là, ils ont habité là un temps, au 25 rue Miromont. Alors je vous le dis tout de suite, hein, ils étaient en location, ils en sont partis depuis bien longtemps, ils sont malheureusement décédés. Et donc c'est pas la peine d'aller enquiquiner les gens qui habitent le 25, ils ont absolument rien à voir avec moi, je sais même pas qui c'est. Bah, c'est juste que, alors ils en sont partis en... Il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Donc on va se construire ça, la maison amiennoise, c'est une maison typique. C'est le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Il y a masse d'ouvriers qui sont arrivés sur Amiens, parce qu'il y a plein d'usines qui ont commencé à se créer autres. Il fallait beaucoup beaucoup d'employés d'ouvriers. Donc ils ont construit massivement des petites maisons à un étage, pas large du tout, mais avec un petit jardinet sur l'arrière. Alors selon les îlots de maisons, les jardinets étaient plus ou moins longs. Là on va voir que c'est des maisons avec quasiment pas de jardin, mais par ici il y en avait déjà des beaucoup plutôt par ici il y en avait déjà des beaucoup plus longs. Et alors à l'échelle 1, la largeur de façade n'est pas du tout grande. À l'échelle 1, ça va être chaud. Mais bon, on va relever le défi de tout ça. Après le jardin du grand-père de Z, on va avoir la petite maison amiennoise du papy de Z.
Eh bien voilà, ça y est, on a fini la rue Miromont, depuis la rue Saint-Achel, hein, qui est ici, jusqu'à... Oh, j'arrive pas à monter. Jusqu'à de l'autre côté, donc jusqu'à l'avenue de Londres. Hein, ce qui nous manquait, c'était les maisons d'angle. Alors des fois, c'est des maisons. Il y a des petites cours qui sont sur le côté. Des fois, c'est des garages. Et on arrive juste comme ça jusqu'à l'avenue de Londres. Pop. Avenue de Londres. Donc, on va aller visiter la maison du papy et de la mamie. Donc, c'était le 25. Le 25 rue Miromont. Alors, je l'ai refait dans l'état des souvenirs que j'avais quand j'étais tout gamin. Ça a bien changé, hein. Il y a un petit peu plus de moderne. Alors, 25, c'est les numéros impairs. 35. Hop, le 25. Alors, échelle 1, hein, soyez indulgents. Une maison viennoise, j'avais fait un petit crobar où il y avait un peu plus de place à la base, hein, de la structure. Donc là, sur la façade, il y a une porte, une fenêtre. Il y avait un couloir. Bien souvent, c'était pas un mur porteur, donc dans certaines maisons, les gens ont fait sauter les couloirs. Mais à la base, il y avait un couloir. Il y avait une première petite pièce devant qui était la salle à manger, le salon. La pièce derrière, c'était la cuisine. Et derrière, après, ensuite, à l'extérieur, on avait l'arrière-cour qui était ouverte sur le ciel. Il y a dans bien des cas maintenant, hein, les arrière-cours ont été, c'est des extensions du rez-de-chaussée. Donc ça a été couvert et puis ça fait une pièce de plus. Alors qui n'a pas de fenêtre. Alors peut y avoir des Velux, des choses comme ça, des verrières, mais bon, on fait ce qu'on a, ce qu'on peut. On a un escalier en bout du couloir pour pouvoir atteindre à l'étage deux pièces, donc qui étaient deux chambres. À la base, une sur rue, une sur l'arrière, et puis au-dessus, on a un grenier. Il y avait une cave, bien entendu. Donc, si on veut se faire le couloir à la mode Minecraft, un bloc égale un mètre, on voit que déjà, ben, il nous faut une façade de 1, 2, 3, 4, 5, donc au moins 7 mètres, bon, 6 mètres, puisqu'il y a un mur mitoyen, mais et là, on n'a que 4 mètres. Donc, le couloir. Exit. Bon, on verra en fin d'épisode que avec Gisèle, on peut faire des miracles. Mais ça sera pour tout à l'heure. Allez, on va se visiter ça. Hop. Alors la petite pièce devant, donc le couloir, il a sauté. Hein, petite pièce ici, salle à manger. L'escalier qui prend toute la place et du coup la cuisine qui est toute rabougrie avec juste la gazinière ici. Petite fenêtre, petite porte pour sortir. Dans les années 70, les toilettes, c'était au fond de la c'était au fond de la petite courette, hein. N'y avait pas non plus de salle de bain. On se lavait dans la cuisine. Pourquoi je passe pas? Ah oui, il y a ça. À l'étage, alors une petite chambre qui normalement avait un mur, hein, mais ici on peut pas. Hein. 4 mètres de façade, ça fait 3 mètres disponibles à l'intérieur, hein, puisque les murs font 1 mètre. Et puis la chambre bah, d'ici des parents, elle est un peu plus grande, avec la fenêtre qui donne sur la rue. Une petite armoire. Alors. Accès au grenier qui servait de stockage à l'époque. Pourquoi je peux pas sortir? Ah, il y a un truc qui me bloque. Et puis qui permettait de sécher le linge, les greniers actuels, maintenant hein, souvent aménagés en chambres supplémentaires. Quand les maisons, les gens en achètent pas deux, ils en achètent deux mitoyennes et ils percent à travers pour avoir des pièces beaucoup plus grandes. Et puis on avait une petite cave. Donc toujours avec des escaliers, hein, mais ici, bon ben, faute de place. Hein, ça c'est pas terrible par contre. Hein. Ça n'a pas été fini. Voilà. Petite cave, on pourrait peut-être mettre un peu de lumière. Hein, ça ferait pas de mal. Voilà. Avec le soupirail qui permettait dans le temps de
de livrer le charbon. Donc les sacs de charbon étaient vidés là, ils tombaient ici, et les maisons étaient chauffées avec des poêles à charbon. Alors, autant vous dire que ici c'était plutôt noir. Une barrique, hein. Et puis le silo à patates, hein, pour stocker pendant tout l'hiver la réserve de patates, pour pouvoir se faire des tartiflettes. Ah bah non, les tartiflettes, c'est pas vraiment Picard, hein. Voilà, la petite maison. Alors, il y en a des un petit peu plus larges, parce que comme c'est un peu plus de 4 mètres, bon ben dans Minecraft, du coup, de temps en temps, on en a une qui fait 5. On a le droit à 5. Mais bon, ça, à l'échelle 1, pour l'une échelle 1, c'est quand même pas mal. Alors, c'est merci à Lynn qui a fait la. Comment on va dire? Qui a fait la déco des maisons et qui a changé le pattern, hein, puisqu'au départ moi j'ai fait des copies avec WorldEdit, donc on avait toujours les mêmes portes, les mêmes petits éléments de décor. Donc Lynn est repassée sur toute la rue et a modifié ça pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Bon ben je vous propose d'aller voir la même maison mais avec le mode Chisel and Bit pour voir ce qui est capable, ce qu'on est. Ce mode, c'est une tuerie. Et nous voilà. On est dans la même rue. On est dans la même rue. Ah, pas tout à fait. Alors, si on compare une photo d'une maison amiénoise, je me permets de vous en passer une. On voit déjà tout de suite que c'est plus ressemblant. Hein. Chisel, c'est vraiment top. Hein. Pour les fenêtres, là, les petites décos. Des dessus des linteaux de porte, bon ben là la descente, la gouttière, le soupirail, c'est quand même super. Ah, il reste le mobilier à faire, mais du coup on a pu reconstituer le couloir, peut-être fermer la porte. La cuisine, on a beaucoup plus de place, donc là il va falloir rajouter une table, des chaises. Ici, la gazinière, etc., etc. Ah là, j'ai oublié de diminuer le mur, hein, puisqu'en fait ici on a gagné de la place en grattant, en diminuant le mur. Hein. Un bloc dans Chisel, un bloc se divise en 16, 16 blocs x 16 x 16. Donc quelque chose d'assez costaud. Mais on va aller visiter l'étage. Du coup, l'escalier, et l'escalier bien comme ça, hein, dans les maisons amiénoises, il est très très raide. Hop. Donc là, on a le petit palier. Et du coup, ici, on a pu mettre un mur avec une porte et la chambre. La chambre de la jeune fille. Alors, pas assez de place pour un lit normal. Donc, on a refait le lit. De toute façon, même si on a de la place, on ne peut pas poser les lits parce que comme c'est des blocs Chisel en dessous, il veut pas poser les lits. Donc là, on a été obligé de le reconstituer. C'est la chambre des parents. Hein, avec la petite table de nuit, petits essais très très moches de papier peint. On voit bien hein, les petits blocs à chaque fois. Hop, allez dans le grenier, pareil. Donc là on peut accéder partout. On a le linge qui pendouille. On a amélioré les lucarnes de toit et même le toit. Ah oui, c'est parce que ça déborde. Ouais, là, il aurait fallu mettre des briques. Ça passe vite un live, hein. On a travaillé deux lives hein, sur cette maison. Et mine de rien, ben, le Chisel, ça prend du temps. Alors, il n'y a plus que la cave, allez voir. Hein. Ça prend du temps parce que, hop, on prend le ciseau et hop, on tape dedans. Donc, si on veut le remettre au même niveau. Je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a dû laisser deux murs. C'est pas évident. Pour le voir, on peut compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça. Donc là, a priori, à chaque fois. Alors, une fois qu'on l'a fait, une fois, en fait, on n'a pas là. On fait clic molette et hop,
Ah là oui, parce que c'est des demi-toits, donc on va remettre un, deux. Ah, ça marche pas avec les blocs. Les dalles. Il faut forcément travailler. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, on peut le copier et hop. Voilà. Et pour la terre, bah, on enlève ça. Tac, tac, tac. Ouais. Il faut passer par ici, demander de la terre. Voilà. On définit connected plan et hop, on rajoute notre couche de terre. Bon, faut pas trop la gratter, hein. Là, y a qu'un micro-bloc de terre, c'est pas terrible, hein. Voilà. Ouais, la cave. Alors, on voit qu'on peut passer les escaliers dans des espaces vraiment très très réduits, hein. Et les caves des maisons amiénoises étaient voûtées, caves en briques, mais voûtées. Donc on retrouve comme tout à l'heure le tas de charbon sous le soupirail, la barrique avec le petit robinet qui va bien, et puis les patates. Bon, il n'y a plus qu'à dessiner les patates là. Voilà. C'était le 25 rue Miromont, revisité en Scheisel. Et voilà, ben on arrive doucettement à la fin de l'épisode. On aurait pu retravailler aussi la corniche là, hein, qui est du coup un petit peu grossière. Elle reste un peu vanilla. Ah, il y a le caniveau qui a été fait aussi également, avec ici la descente qui passe sous le trottoir pour alimenter le caniveau. Donc la bouche d'égout est là-bas, puisque là, on voit que la pente de la route est dans ce sens-là. On peut d'ailleurs, grâce à un chaisel, bah, avoir maintenant des dalles. En fait, ça permet d'avoir des dalles sur des blocs qui avant n'en avaient pas. Hein. C'est une 1.14 plus plus en avance. Alors c'est un mode vraiment vraiment génial. Même en restant dans l'esprit, hein, sans dans l'esprit Minecraft, avec des blocs, des dalles, des choses pas forcément trop travaillées, c'est vraiment super. Bon ben on va se laisser là pour aujourd'hui. Lors des lives, j'avais aussi travaillé sur les arcs. Les arcs doubleaux de la cathédrale. Je referai un épisode un peu spécial sur l'amélioration de la cathédrale avec Chazelle. Et sur les arcs. Les arcs sur triangle équilatéral, arc tiers-point, tout ça. Je referai une séance complète. Ah oui, et là je suis pas sur le serveur, donc j'ai réussi à mettre des sens interdits. Il crache un peu les sens interdits, mais bon, cette route-là est bien en sens interdit, hein. La rue Beaumanoir, elle est en sens interdit. Mais la rue Miromont est aussi en sens interdit d'ailleurs. Il est là. Donc on va pouvoir attaquer, eh ben, un nouveau bâtiment. Donc comme d'hab, hein, vous connaissez le principe. Dans les commentaires de la vidéo, vous proposez le bâtiment, le lieu emblématique d'Amiens que vous voulez voir réaliser. On fait un vote et ceux qui gagnent le vote, eh ben, il est réalisé. Voilà. C'est le principe du truc. Donc je vous souhaite là-dessus une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!